les caméras cachées, et il s'est fait passer pour un chanteur dépressif. En fait, il était à un gros concert. Il est même monté sur scène avec une chanson. Je sais pas si vous avez vu, une chanson de dépressif. C'est énorme. Regardez ce qu'il a fait. Et Jean-Luc, je voudrais encore vous remercier parce que c'était encore énorme, les 4 tiers cette semaine. Bravo. Allez, regardez Greg Guillotin. C'est ouf, ça. Regardez. Salut, c'est Greg Guillotin. Avec mon pote Will, on a fait une caméra cachée où je me suis fait passer pour le chanteur le plus dépressif au monde. On regarde tout de suite. Excusez-moi de vous déranger. Avec mon ami, en fait, on doit présenter des chansons dans un festival et on aimerait bien avoir un avis. Vous pouvez faire un petit extrait rapidement. Ouais. Je perds mon poil, je vaux que dalle, je suis une merde, sans conteste, je ramasse mes restes. Alors ? C'est ouais, c'est pas très joyeux. Je me mettrais bien une ou deux balles dans le pied. Je m'étoufferais avec un oreiller. C'est une blague, non ? Non, c'est... C'est un peu triste pour moi. C'est un peu triste, ouais. Je suis l'hirondelle à qui on a coupé les ailes. Je suis le rouge-gorge qui s'égorge. Je suis le pivert vert qu'on enterre. Qu'est-ce qui... Bon. Il y a de la recherche. Là, c'est juste un extrait qu'on vous fait. Oh là là. Donc voici, c'est que les paroles sont très très recherchées. Je vous le dis aujourd'hui, je voudrais tirer la chasse d'eau de ma vie. Mais je me sentirais plus à l'aise quand je me serais jeté de la falaise. Pas de... C'est triste, quoi. On peut faire le ramor de Pearl Harbor. C'est hyper calme. C'est comme tu veux. Je mettrais bien une ou deux balles dans le pied. Je m'étoufferais avec un oreiller. Ça vous a plu ou... C'est plutôt trop triste. Un peu le dégoût de la vie, c'est ce que j'essaie d'écrire. Vous êtes je suis désolé. C'est pas très drôle. Non. Quelque chose de plus drôle, de plus qui porte plus vers la lumière. Vous croyez que je suis heureux, mais c'est qu'une façade. Vous vous rendrez compte quand je serai crevé. Ça vous plaît ? Eh bien, je sors d'une demi-lecture très positive, alors là, pour le coup, j'ai un sacré contraste. L'idée, c'est de dire, voilà, la vie, faut pas la peine d'être vécue. Et... Je suis désolé. Bravo, c'est toujours beau. Enfin, bravo pour la création artistique, en tout cas. Je garde la mort dans le viseur et la vie, je la meurs. Je me sens à ras-bord, je suis le ras-mort de Pearl Harbor. En plus, pourquoi Pearl Harbor? Oui, là vous allez le vexer. Là. Mais non. Oh Greg, viens là. Tu vas tester l'autre, le ras-mort de Pearl Harbor. Okay. Nous, on n'a pas l'habitude d'avoir des rires face à ce genre de chanson, mais... Oui, c'est vrai que c'est... le premier ni le dernier, je pense. Greg Guillotin, c'est bon.